Ouais. Ah bah tant mieux. Pareil. Ok. Ah, c'est le tuto. Alors, ils disent quoi? Tirer, dégainer. Dégainer, c'est quoi? Ah, j'ai un flingue aussi. Ok. Regardez autour de vous. Alors qu'est-ce qu'il dit? Viser. Ah, il grappin. Ok. C'est ça. Ouais, c'est rigolo. C'est marrant l'alternance. Je savais même pas qu'il y avait du flingue. Il y avait un flingue dedans. J'avais jamais remarqué sur la vidéo. Bon, c'est très dynamique déjà. C'est plutôt bien. C'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. Après, il faut un petit. On laisse parler la dame. Oula. Calme-toi. Trop fort. 내 부하 쿠키 커터가 내가 받을 화물을 가로챘어. 당장 되찾아. 녀석의 부하들이 항구에 잔뜩 몰렸어. 놈을 찾아. 호랑이 클랜은 배신자를 가만두지 않아. 알ors, termine un colis précieux, continuez. S'accrocher quelque part. Alors, je comprenne bien la mécanique du jeu. Ah, d'accord. J'ai pas vu. Il fallait péter le truc. J'ai pas encore tout bien assimilé le truc. Alors j'ai l'impression que les bleus, on peut pas les tuer au flingue.
Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un bouclier. Apparemment ils s'en foutent. Ils prennent pas les balles. Ah zut, j'ai raté le bonus. Ah, c'est un boss lui. Comment je le rejoins? Je pars pas assez mes coups là. Je bosse plus sur les... Comment je peux gagner de l'énergie? Ah merde. Ça sent pas bon. Il touche pas, voilà, ouais, on s'en fout. Ok. Eh bien. Ok. Il m'en manque un, j'ai raté celui-là. Ouais, bref, c'est pas, c'est assez classique, mais c'est bon, voilà, ça passe en VR, mais c'est un truc qui passe pas mal, mais c'est très arcade. Ah, c'est voilà, c'est de l'action pure, pourquoi pas. Comment on gagne de l'énergie par contre? Quand on est blessé. On doit bien pouvoir récupérer d'énergie. J'ai pas vu de truc particulier. Ah
Alors, où est-ce qu'il me remet? Oh, c'est bien, il me remet à peu près un point de sauvegarde, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je commence pas du début. Ah, j'ai plus de bouclier. Oh merde. C'est bizarre la musique parce que quand tu commences à mourir, le son baisse, c'est un peu étouffé, c'est voulu, mais ça fait bizarre. Ça te sort un peu de l'ambiance. Allez, vas-y! Le système de grappin, il est un petit peu chiant. Pas super intuitif le grappin. Ouais, Louis. Ok. Bon, après les décors, c'est simpliste, c'est cartoon, c'est pas. Il y a un peu d'aliasing, donc avec QGO, je pense que ça règle le problème. Mais d'origine, il y a un peu d'aliasing quand même. Léger, mais il y en a. Sélection du niveau, il y a combien de niveaux? Alors, on a fait celui-là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je me dis que là, il y a neuf. Écoute, je ne sais pas, il doit être à des petits détails. Ça doit être joué à des petits reflets, des textures peut-être un peu plus travaillées. Puis, Alors là, l'aliasing, franchement, je pense qu'il va partir dès que tu mets QGO. Hein. C'est léger, donc je pense que... Je pense qu'avec le... Avec QGO, on est bon. Là j'ai lancé le jeu à la volée, donc j'ai pas le jeu, donc là, je rappelle que c'est une démo, enfin c'est un essai de 20 minutes, pardon. On va aller dans celui-là, allez hop, le suivant. Donc 9 niveaux apparemment, donc la durée de vie, pas très très longue. Ah, il me reste expire dans 5 minutes, vous voyez le message? On a juste le temps d'explorer un petit peu le... Monsieur, désolé. On va continuer la partie sans qu'on sache ce qu'on doit. Ce que t'as à dire. Merde. Ah. Oh putain.
Comment on peut gagner des vies? C'est chiant ça. Parce qu'une fois que j'ai la vie qui baisse, j'ai l'impression que je sais pas comment on peut retrouver. Oh merde, il m'a pété mon bouclier! Ah, le vilain! Les bisous, Lapinou! A plus! Il se détend, lui! Ah. Ah, j'avoue que c'est particulier. Ils sont... Ah, Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Là. Ah merde, j'ai vu la sortie juste trop tard. J'ai pas de bouclier, chier. Ouais, je sais que tu l'aimes. Ok. Ah, t'es des trucs que j'ai pas encore bien assimilé avant la partie. Hein. Oula, il m'a défoncé mon... Ah! Il m'a défoncé mon bouclier, l'autre. Peut-être que... Ouais, ça, c'est une bonne idée. C'est ce que je me disais. En fait, j'utilise mon sabre pour retourner les balles, me protéger. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, il y a eu des cours chez... Ah. Salut, toi. Ok. Ok. Allez, on fait vite suivant, ça va couper d'une minute à l'autre. On aura vu à peu près le début du jeu. Allez, on passe, désolé. On va y voir. Bah voilà. Ah, ça tranche, indirect. Donc 18,99, j'ai terminé la démo de, enfin l'essai de 20 minutes. C'est pas une démo, hein, c'est le jeu complet, mais pendant 20 minutes on peut le tester. Donc à vous de tester si vous voulez le voir aussi. Ah ouais, c'est violent. Passez à la caisse là. C'est très 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 arcade. Voilà.
C'est un style, hein. On aime, on n'aime pas. Hein. C'est très très arcade, oui. Tu dis ça parce que je tirais bien, c'est ça? Tu sous-entends que d'habitude. T'as raison. Donc voilà. Tiger Blade, on a vu un petit aperçu de 20 minutes du jeu. Bon, on se fait une petite idée quand même. C'est pas un test, hein, mais. Ça permet. Tu suis, Owen. Ça permet de voir à quoi ça ressemble. J'avoue, et le contenu m'a l'air très. Je sais pas s'il y a d'autres trucs après qui se débloquent, mais dans ce qu'on a vu, 9 niveaux, à la vitesse où on les défile. Je dirais que personnellement, j'irai pas forcément plus loin pour le chercher, pour vous faire. J'ai eu un aperçu, c'est fun, mais sans plus. J'ai pas plus accroché que ça dans... C'est très, très classique. À part le fait d'alterner. Alors j'ai bien aimé le truc alterné pistolet katana. Et ça, c'est bien foutu, parce qu'à tout moment, c'est très rapide, on peut alterner. Par contre, c'est assez répétitif, c'est court, c'est. Enfin, quand je dis répétitif, faut voir sur la longueur, mais on sent que c'est. Voilà, j'imagine bien que un peu plus loin, il va y avoir des petites nouveautés, des ennemis un peu différents et tout. Mais vraiment, je sais pas, voilà, le style de musique, tout ça, bon, j'accroche sans plus. Après, comme je dis, c'est une première impression. Il y a des jeux comme ça, tout de suite on accroche, et puis là, moi sur les 20 minutes, ça m'a permis juste de me dire, bon ok, ça passe, mais c'est pas un jeu qui m'attire plus que ça. J'ai pas de regrets, je l'ai pas pris. Si un jour je l'ai en clé, peut-être que je repasserai pour le tester un peu plus, histoire d'aller voir plus loin. Mais au premier abord, c'est. Voilà, c'est fun, c'est arcade, c'est rigolo 5 minutes, mais c'est pas un jeu qui me hype plus que ça, même le fait de l'avoir essayé. Donc c'est très bien ces tests parce que ça donne quand même une petite idée. Même si, attention, ça peut aussi se développer après. Hein. Bah, c'est dommage. Les musiques, je sais pas. Après, faut aimer. Hein. Peut-être qu'il y en a qui aiment ce genre. Mais j'ai trouvé que, effectivement, comme faisait la remarque Vorks tout à l'heure, je trouve que ça colle pas trop avec le style du jeu, personnellement. Je sais pas. Je trouve que ça, il y a un décalage. On a c'est bien. On aura à tester quand même. Ça permettra de se faire un avis. Et donc, si vous voulez le tester, vous avez la même chose que moi. Vous avez 20 minutes pour le tester. Si vous voulez voir visuellement, dans le casque, etc. Le ressenti, parce que. Après, le jeu, ça passe. Hein, ça passe. Mais faut aimer le genre aussi. Et puis. Je le trouve un petit peu trop assisté. Je pense qu'il peut être quand même. C'est un jeu qui est quand même répétitif. Les mouvements qu'on fait sont assez limités dans le sabre. Enfin, le katana, pardon, c'est assez limité. Et puis, c'est. Voilà. J'aurais préféré avoir plus de liberté, peut-être plus de possibilités avec ça. On n'est pas libre de ces mouvements. Alors, ça fait partie du gameplay, hein, c'est comme ça, mais. Il y a des choses intéressantes dans le jeu, mais je pense qu'il va plaire à certains. C'est pure action, etc. Moi, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché plus que ça. Voilà. Mais j'ai joué que 20 minutes, donc ça donne juste un petit aperçu. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Ciao, ciao. À demain. Bye bye.